Pas le temps de niaiser pour le début de cet épisode, les Vikings sont déjà arrivés. Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode. Alors, on a les balistes qu'il va falloir mettre hop, ici. Comme ça, on a quelques mecs qui vont venir là. Ça va pas sauver ces champs qui, a priori, bon, il y a au moins la moitié de ça qui va brûler. Hein. Donc, dans cet épisode, il faut absolument qu'on trouve un moyen de résoudre tout ça. Ah, il y en a qui s'est fait choper. Ah oui. Ah mais non, il y en a plein. On est déjà chopé 3. Ah ouais, d'accord. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Du coup, ouais. A priori, ça c'est mort. Ouais, ça m'étonne pas. Juste, ouais, laissez. Ok. Les champs, ça me dérange pas trop. Ah oui, il y a quand même des gens qui vont essayer de sauver. Ok, se faire me ravager, c'est pas grave. Toi, tu vas pouvoir commencer à leur tirer dessus. Ah mais d'ailleurs ils ont déjà pris des dégâts, je sais pas comment ça se fait. Peut-être qu'il leur a déjà tiré dessus en fait et j'ai pas fait gaffe. Oh évidemment tout ça, ça va geler du coup. Je vais pas avoir ma récolte parce que tout le monde est occupé à essayer de survivre. Ah mais c'est un chef ennemi en fait, ou est-ce que toute sa troupe est... Oh, j'ai réussi à en tuer un. Yes, trop bien. Et c'est tout, les autres je vais pas réussir. Ok. On va reconstruire ce qui a été cassé. Franchement j'aurais pu bien m'en tirer. Faut juste voir avec combien de mecs ils vont repartir en fait. Ah, quoique eux ils vont repasser, peut-être que je vais avoir l'occasion de leur tirer dessus. Oh, il y a moyen, hein. Une baliste. Non, non, ils vont réussir à survivre. Ah, dommage. Alors, ceci dit, j'ai réussi à tuer tout le monde sauf le chef, ce qui veut a priori pour moi dire que les mecs... ouais, c'est ça, lui il a survécu mais pas les autres, donc vous voyez, j'ai eu un bonus parce que on a réussi à les vaincre. Et B, enfin! Alors, fort de cette réussite, on va mettre... Non, c'est pas ouvrir les réserves que je veux, c'est les... Entraînement militaire. Bam. On va les mettre en première position. Donc, tac, entraîner un soldat. Recherche de nouvelles recrues. Alors, on attend que tout le monde arrive, parce que, voilà, il y en a plein qui sont ici. Ce qui n'est pas idéal, mais bon. Hop, toi, t'es rempli ou... Non, je sais pas pourquoi ils se barrent avec la nourriture plutôt que s'en occuper là. Donc là, ça va être une catastrophe, la nourriture. J'aurais peut-être dû attendre à la fin de la récolte avant de transférer, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? 13, tac, ok. Donc là, c'est bon, tout le monde est arrivé. Et non, là, il en reste 2. Soldat 0 prêt en attente, ouais, ok. Et donc... Ok, est-ce que si je fais... Je vais tester quelque chose. Si je désactive tout ça, mais c'est impossible que ce soit ça la façon de fonctionner, c'est débile. Et là, ça marche. T'es sérieux? En fait, il faut qu'il y ait des gens qui n'aient pas de boulot derrière. Ça n'a aucun sens. Recherche de nouvelles recrues. Donc pourquoi est-ce que là ça marche pas? Est-ce que toi si je t'enlève... Ouais maintenant ils y vont. Ouais c'est ça, il faut vraiment qu'il y ait pas de boulot. C'est trop chelou comme système. Tac. Ok. En stock pré-utilisation dernier. Ok. Donc paf, toi je t'annule. Et toi recrute. Non. Recrute. Yes. Ok, toi du coup je t'enlève. Et toi on est d'accord que maintenant t'as des types avec toi. Tu dois en avoir... Ouais, c'est ça. 2, 4, 6. Et donc maintenant, t'as une puissance de 80. Attends, c'est pas... Sérieux? Alors que tout seul, il avait une puissance de 50? Bon, écoute. C'est toujours ça de prix, voilà. On a ce type-là, maintenant, qui est pas trop mauvais. On va le mettre là. On a réussi à résoudre ce souci. Et pour moi, c'est quelque chose qui n'a aucun sens. Mais bon, admettons. Hop, hop. Ah ouais, c'est vraiment chelou. Bon, ce que... Dans tous les cas, il me faut des gens de façon vraiment urgente. Hop, paf. Acheter. Est-ce que j'ai des choses à acheter? Du charbon, ce serait pas drôle. Ouais, mais non, j'ai pas d'argent. J'ai pas assez d'argent. Ah ouais, peut-être dans la nourriture quand même. Pour 5... Oh la vache, ça a coûté cher. Bah écoute, on va t'en acheter 10. Bam. Et il faut que je mette les impôts... Hop, en premier. Tiens, les balistes, on va les... Tiens, ah oui, bah balistes, on va simplement les éteindre, c'est parfait. Et... Ah, les percepteurs, ils sont actifs. Ok, juste...
Bah, c'est quoi, on va monter ça. Désolé les gars, je sais, ça va descendre le bonheur, mais j'ai vraiment besoin d'argent pour vous protéger. Tac, on a... Ah, navire de transport, 50. Ah bah oui, du coup, il me faut de l'argent. Bah, on va attendre. On va récupérer un peu d'argent pour pouvoir s'occuper de ça. Je vais me souvenir d'un truc. Toi, viens, va tabasser ces loups. Hop, c'est pour ça que je les voulais à la base. Bon, pour les vikings, ça aide aussi, hein, mais... Alors, qu'est-ce qu'on veut faire d'autre? On a ça, ce qui est en cours de reconstruction, c'est bien, et... Ah oui, et les 50 dont on a besoin pour le navire de transport, qui vont nous permettre, en fait, de faire des va-et-vient là. Il faudra faire sans doute la même chose là, et je pense que les 3 suffiront. Je pense que... Peut-être un quatrième... Oh, même pas sûr. Mais t'es pas sérieux? Il s'est fait démonter? Ok, je vais le ramener là. Donc, du coup, mon fameux... vous savez, hein, j'ai galéré pendant 20 ans pour me faire plein de soldats. Bah, ils sont tous morts. Voilà. Un truc de loup et ils sont tous morts. Alors, c'est une grotte vide, hein, maintenant. C'est cool. Ça, c'est dispo. Ça, ça l'est pas. Et j'ai pas de quoi aller les buter. Ah oui, ils sont vraiment hardcore, en fait. Oh la vache. Alors, je viens de me dire, on a tellement de pierres, ne serait-ce pas le moment de bosser sur notre muraille? Alors, on va attendre un peu pour ça. Ouais, on va attendre un petit peu pour tout ça. Par contre, je me dis que ici, pourquoi pas le faire en ligne? Est-ce que j'ai besoin de ça ou pas? Je ne pense pas. Là, comme ça, on met des douves ici. Ouais. Donc... Quoi? Comment... Pourquoi est-ce que je peux déjà plus le faire? J'ai plus de pierres. Hein? Comment ça, j'ai plus de pierres? Ah, ça m'a demandé tant que ça, là? Des pontons, c'est 35. Ouais, j'en ai fait quoi? 4? 5? Ok, d'accord. Bah, vous vous souvenez quand je disais, il y a 2 secondes, « Eh, j'ai plein de pierres !» Bah, c'est faux. J'ai plus de pierres. Oh la vache. Ok, très bien. Alors, j'ai mon port Conta ici et j'ai mon port Wittmeyer. Alors, ce qu'on va faire, ça va plutôt dire capital 1. Voilà. Et ça, on va l'appeler... là, ça va plutôt être agriculture, on va dire. Agriculture, voilà. Ok, donc, toi maintenant... Tu vas de capital 1 à... hop. Agriculture. Paf. Et là-bas, tu vas récupérer de la nourriture. Et tu vas récupérer du fer. Tu vas en récupérer, je sais pas moi, 50 à la fois. Et ça, pareil, 50 à la fois. Et... Après complétion, on répète. Nickel. Donc lui, il va faire ça en boucle, ce sera parfait. Donc là, l'idée, c'est que j'ai envie d'avoir un ou deux de ces ports. Donc au moins un, enfin deux ou trois. Un là, c'est sûr, peut-être plus. Et après, j'aurai des ports marchands aussi. Mais déjà là, on a une bonne base. Alors, on a vraiment un souci de nourriture. Ah oui, on a vraiment, vraiment, vraiment un souci de nourriture. Et on n'est plus que 36? Mais non, ah ouais, mais arrêtez de... Non, mais non, les gars, c'est pas comme ça que ça marche. J'ai besoin de vous pour régler tous ces soucis, en fait. Bon, bah, on va arrêter les mineurs. Les taverniers, non, c'est quand même important. Et les bûcherons, je suis comment au niveau bûche? Ok, d'accord, on va juste couper celui-là. Franchement, les mecs, ils n'ont pas compris que c'est un cercle vicieux. J'ai besoin de fermiers pour le reste, les gars. Oh, mais non! Oh! Oh, mais non! Je sais pas quoi faire. Est-ce que je continue? Est-ce que je m'arrête? Je ne sais pas. Ah, ok.
Ah, je suis choqué. Alors, là où je me suis... Bon, comme d'habitude, hein, j'ai perdu parce que je voyais trop au long terme, que vous voyez que j'ai une ville très étendue. Je pense que la prochaine fois, parce que clairement, ça invite soit à reprendre cet épisode, parce que c'est quand même arrivé d'un coup, je trouve, soit à recommencer. Ce qu'il faudrait faire différemment, c'est déjà pas vider tout le bois qu'il y avait à côté, parce que là, du coup, si on veut du bois... À moins d'aller là, mais il y a des loups, il faut aller vraiment à Perpète. Tiens, j'aurais dû aller retourner voir la... Ah ben ouais, du coup, j'aurais dû discuter avec la sorcière, peut-être qu'elle avait quelque chose pour moi. Non, le problème, c'est que j'aurais dû peut-être tracer des plans pour le futur, mais quand même me concentrer sur une zone. Et limite, ça aurait pu être, par exemple, ok, là, il y a mon château, je commence la ville ici, à part pour le château, bien sûr. Parce que ici je veux tous les gros bâtiments et tout, mais en soi, si on garde tous les bâtiments administratifs, pour ainsi dire, j'en ai pas vraiment besoin au centre de ma ville. Du coup, ouais, j'aurais pu mettre ça un peu n'importe où. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Du coup, je vais faire une pause, hein. Vous savez que c'est la série que je fais pendant mon congé paternité, mais bon, faire des épisodes de temps en temps, c'est possible, surtout que là, ça fait... épisode 4 je crois, donc ça fait quelques temps déjà qu'on a commencé ça, il est temps que je retourne au boulot, mais ouais, est-ce que je recommence le début de cet épisode en gros en sachant que faut que je réagisse là tout de suite maintenant, ou est-ce que je recommence une nouvelle partie, à vous de me dire. En tout cas, merci à tous de m'avoir suivi, à bientôt, bye bye.